Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on avait Léna. Donc aujourd'hui la famille, très très grosse vidéo. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai acheté ma nouvelle voiture. Donc bon, pour faire taire tout le monde, je n'ai pas encore le permis parce que j'ai vu que j'ai pas encore, enfin j'ai l'âge pour le passer mais pas pour l'examen. Du coup, je suis en train de passer le permis. Je suis obligé d'attendre l'examen, donc je sais déjà conduire, t'as capté, tatata. Mais j'attends juste l'examen. Donc du coup voilà. Normalement, dès que j'ai 18 ans pile, boum, elle est à moi la voiture. Et c'est même sûr, elle est à moi la voiture en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai pas le permis et que ma mère roulait en Dacia, frère. Du coup, bon, je lui prête le temps que j'ai le permis, t'as capté. Et du coup, après, donc, elle me reviendra, donc elle sera à moi. Là, je la conduis pas, donc ça sert à rien que tu vois qu'elle dorme, c'est un diesel la voiture, donc autant la prêter à ma mère, tu vois, qu'elle roule un peu, sinon elle va s'encrasser, frérot. Et bon, tu me connais. Et du coup, on va pas laisser la voiture à maman quand même. Du coup, voilà, on est avec Léna. Il y en a qui vont dire, ouais, qu'est-ce que Paolo pour une première voiture? Voilà ce que c'est. Les frérots, c'est une BM. Alors, la voiture, elle était au père de Léna. Ouais. Et c'est le père à Léna qui nous l'a vendue. Donc, il nous a fait un très très bon prix. Un très très bon prix. Ah, pour vous dire, la voiture, frérot, je l'ai eu à presque rien du tout. Donc voilà, c'est une série 3. Et elle est neuve. Hein. Donc, elle est neuve, c'est une série 3. Ça fait 190 chevaux, la famille. Regardez, pour une première voiture, c'est un break. Là, c'est pour. C'est pour Léna et Milo, vous voyez, parce que voilà, on a mis le siège auto derrière. Et du coup, on peut pas amener Milo si on n'a pas ce siège auto qui coûte quand même 400 euros, merci. Donc voilà. Du coup, la voiture, elle est pas mal, la famille. Franchement, elle est vraiment bien. C'est vraiment pour une première voiture. Voilà, bon, franchement, elle était bien, 18 ans, une voiture comme ça. Voilà, hein. Je vous dis pas, l'assurance par an, c'est plus de 2500 euros, frérot. Mais bon, pour l'instant, c'est ma mère qui l'assure. Donc, vu qu'elle est jeune permis, enfin, qu'elle est plus jeune permis, pardon, elle paye rien. Mais vu que moi, je suis jeune permis avec du malus à cause d'un connard qui m'a foncé dedans. Pardon, oh. Je suis vraiment dégueulasse. Eh ben du coup ça fait que... attendez, je vais fermer la porte, frérot. Ça fait que du coup, ben voilà, du coup je paye beaucoup plus cher, je paye 25% de plus. Et vu que je suis jeune permis, ben je paye vraiment beaucoup. Du coup voilà la famille, j'espère que ça fera taire des bouches pour tous ceux qui disaient ouais, tu veux acheter une moto, mais pense au bébé. J'ai une voiture la famille, regardez, voilà, la voiture elle est déjà là. Je passe mon examen au mois de juillet, donc ça va arriver très très vite. Donc cet été j'ai le permis et puis voilà, tout est réglé, voilà le bébé je vais l'amener, frérot. Donc voilà, t'as capté, bon lui avec sa petite mobilette. Attends, montre un peu la place des endroits cachés et tout. Voilà la famille. Donc là on peut, attends je vais essayer de le faire. Léna qui met ses, sors tes pieds de là avant que Léna, je te tue. Attends, je veux juste non mais t'inquiète. Va là-bas au fond. Ah ouais, tu veux leur montrer ça? Ok ouais, bon elle veut vous montrer ça, frérot. Voilà le truc qui sert vraiment à rien. À rien. Voilà, là on peut. Et là on peut mettre les gobelets. Bon, c'est un peu sale, faudra que je passe l'aspirateur, mais voilà, enfin la voiture. Et là, c'est quoi? Et là, c'est une petite boîte à gants normale, t'as capté. Mais en tout cas, voilà, la famille, on est vraiment content. En plus, on peut connecter mon téléphone. Oh là 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 là, je peux vous dire que les petits PNL, ODD et tout ça, ça chie. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, la famille. Voilà, pour tous ceux qui disaient, t'as pas de voiture, arrêtez de parler sans savoir. En fait, vous connaissez pas notre vie. Ça fait très longtemps que j'ai. Ça doit faire un mois que je l'ai de la voiture. Bah, en fait, on vous raconte pas toute notre vie, en fait. Mais bon, je me sentais un petit peu obligé parce que pour faire taire des bouches, ils disaient, ouais, t'as pas de voiture. La voiture est à moi et ma mère, en fait. Voilà, pour faire simple, elle est à moi et ma mère, parce que bon, j'allais pas la laisser avec sa Dacia, du coup on l'a acheté à nous deux, et du coup tant que j'ai pas le permis, ben c'est elle qui l'a conduit, voilà, pour pas la laisser, vous voyez, vu que c'est un diesel, frérot, on va pas la laisser s'encrasser, en plus c'est pas bon, et du coup voilà. Léna, est-ce que t'es contente de la voiture, de l'achat? Oui. D'ailleurs c'est, bah ouais, c'est son père qui nous l'a vendu, il nous a fait un bon prix, hein. Merci papa. Bon, on va pas se mentir qu'il roule en Porsche Cayenne, frérot. Donc, voilà. Bon, mais merci à tous d'avoir regardé la vidéo, la famille. Et on est super content de l'achat, franchement, parfait. Et du coup, hâte d'avoir le permis. Hâte d'avoir le permis. Et d'aller se promener. Normalement, cet été, j'aurai aussi la moto, puisque je suis en train de passer le gros permis moto. Donc voilà, bonne voiture, bonne moto. La moto, c'est une BM en plus. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao. Je fais mal au crâne, je suis plus trop patient. Déterminé, le four se ferme pas à minuit pile. À fond sur la colle, tous mes gars de sarcelle me disent rapique. Je regarde puis j'applique, j'ai chargé les balles et puis j'appuie. Je fais le tour de la zone, je quitte mon ombre et je me demande qui je suis. Démarrage à droite, décalage à gauche, des appels de phare et puis j'appuie à fond. Pas le temps d'aller pousser la fonte, nous c'est la rue.